Là, par exemple, on va être un petit peu plus sérieux parce que pour le prochain numéro, c'est une totale création. C'est pas mal du chant, en fait, en l'hommage de quelqu'un que sûrement beaucoup d'entre vous a connu. Fait que, d'après moi, surtout les joueurs de l'équipe de football, n'importe quoi, l'ont connu. Fait que cette personne-là va venir faire une chanson qu'elle a composée pour William. Fait que, je sais pas s'il y a certains d'entre vous dans la salle qui le connaissaient, mais s'il vous plaît, tout le monde, elle mérite un gros applaudissement. Puis beaucoup de silence quand on fait son numéro parce que les paroles sont très très profondes. Fait que. Accueillez Marie-Rose Denis. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Je voulais dire un mot pour la compo que j'ai écrite. Donc, comme la majorité d'entre vous le savent déjà, et. L'animateur l'a déjà dit, un de mes amis et un très cher élève de notre école est décédé il y a 2 semaines. Puis j'ai décidé comme d'écrire un peu mes émotions à travers ma compo. Ça parle vraiment des moments positifs que j'ai vécu avec lui, puis c'est vraiment qu'est-ce qu'il faudrait se rappeler de lui aussi. Il a toujours été là pour me supporter dans ma carrière musicale, autant en chant que ma musique en général. Alors William, c'est pour toi. Chaque jour nous te voyons parler tout ton cœur. Tu étais le seul qui ressortait. Tu étais comme un soleil ravissant nos jours, éclairant nos vies aussi. Puis un matin tu n'es Ah, c'est vraiment mérité pour de vrai. Réussir à créer une pièce, des notes, des paroles qui viennent avec, ça mérite vraiment beaucoup d'admiration, ouais. D'applaudissements. Ça prend du temps. Ça prend du courage. Puis le nombre de temps qu'elle a pris pour apprendre les paroles, tout clairement, ça venait du cœur. Honnêtement, elle avait l'air de bien le connaître. Puis le nom de la chanson pour le numéro 18. Fait que je pense que, d'après moi, c'était très émouvant. C'était très émouvant. Guys, s'il vous plaît, applaudissez-la encore!